Il ne faut pas être inquiet pour Toulouse. Hein. Quand on voit d'abord l'état des blessés qu'il y a à Toulouse, c'est plutôt tout court en ce moment parce qu'il leur manque une dizaine de joueurs clés entre les blessés, les joueurs en sélection. Moi, s'il y a un club pour lequel je ne suis pas inquiet, c'est Toulouse. Voilà, Toulouse, c'est quand même c'est des pros, c'est un palmarès exceptionnel. Ce sont des seigneurs. Hein. Les seigneurs ne meurent jamais. Hein. Donc, je ne me fais pas de soucis pour eux. Il y en a qui nous parlent de maintien pour Toulouse. Écoute, mais il faut arrêter les fantasmes. Toulouse, à l'arrivée, ils seront là. Quoi. Voilà, parce que c'est écrit comme ça, parce qu'ils ont les joueurs pour, ils ont le staff pour. Et peut-être que c'est un concours de malchance. Effectivement, ils ont des joueurs blessés à des postes clés qui fait qu'ils sont. Ils ont des emmêlés en ce moment, notamment, ils sont un peu fragiles. Mais je ne m'inquiète pas du tout pour eux. Vous verrez que Toulouse sera là à l'arrivée. Mais c'est bien parce qu'en ce moment, ça permet un petit peu de parler d'eux, quoi, là, d'une façon un peu différente. Donc ça alimente parce qu'on était plutôt habitué à parler de Toulouse, comment ils ont gagné. Et en ce moment, c'est plutôt comment ils ont perdu. Quoi, mais ça va vite changer.